fait tout. Pour l'échapper. Il est parti, tout seul. Une échappée est en train de se créer. Un coureur tente sa chance en solitaire. Il est sorti du peloton comme une balle. Les coureurs sont maintenant dans un passage à plus de 10%. Plusieurs coureurs sont en difficulté. Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Cette côte présente de redoutables pourcentages.
L'écart entre le peloton et l'échappée diminue. Le rythme imposé est vraiment très fort. Ce n'est pas possible de sortir du peloton à cette vitesse. On attaque la descente, les coureurs vont pouvoir récupérer. Le peloton reprend du terrain sur l'échappée. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme. Contre de l'Estonien, Taramae! Thank you.
Attention, regardez, il est en train de partir! Le peloton vient de reprendre les échappés. Un coureur essaye actuellement de fausser compagnie au peloton. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. La côte est redoutée par beaucoup de coureurs. Les pourcentages sont particulièrement rudes. Le peloton vient de reprendre le groupe d'échappés. Le rythme imposé semble trop élevé pour beaucoup de coureurs. Il reste exactement 15 km avant l'arrivée. Les coureurs franchissent un passage délicat avec des pourcentages supérieurs à 10%.
Les coureurs entrent dans les 10 derniers kilomètres de l'étape. Ça se bagarre à l'avant. Faut tenter de suivre l'endroit où tu peux pas, si on veille, si le contendeur, si il n'y a pas plus. Il reste moins de 5 km à parcourir. C'est sur de tels pourcentages que les plus costauds peuvent creuser un écart. Cette victoire est amplement méritée. Il a terminé au courage. La course est jouée, mais les malheureux du jour continuent à arriver. C'est dur pour le moral. Thank you.
Salut. Et voici maintenant la sélection des meilleurs moments de la course.